J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Blandine Krigel, philosophe, auteure du livre Spinoza L'autre voie. Vous essayez de comprendre avec vous pourquoi est-ce que, en ce moment, nous entendons tant parler de Spinoza, quel est le regain d'intérêt autour de ce philosophe eh bien, il y a, je crois, beaucoup de, de nombreuses raisons. La première, c'est d'abord les, les scientifiques, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire les astrophysiciens, hier Einstein, les mathématiciens comme Cantor, euh, aujourd'hui aussi les neurophysiologistes, euh, Damasio, Jean-Pierre Changeux, Henri Atlan. Et les philosophes politiques, parce que Spinoza est l'un des premiers penseurs de la, de la démocratie, de la république démocratique, et surtout la jeune génération, qui sur un plan international s'est mis à lire Spinoza, je crois que ça a un rapport avec l'essoufflement de la, la grande philosophie du sujet et euh, l'essai de, de retrouver une, une autre voie. Qui est peut-être chez Spinoza Alors, est-ce qu'on peut, avant donc de plonger dans la philosophie de, de Spinoza telle qu'il la présente, euh, est-ce qu'on peut déjà essayer de comprendre le personnage euh, Un personnage a priori complexe, euh, qui porte énormément euh, sur ses épaules dans sa façon de, de se projeter dans le monde et d'interpréter le monde qui nous entoure. D'où est-ce que vient sa famille euh, Quel est son parcours Qu'est-ce qui fait naître le Spinoza tel que nous le connaissons. Vous savez, Spinoza, il est le produit, hélas, de l'expulsion de 1492 qui a précipité nombre de familles juives, espagnoles, puisqu'il vient du judaïsme espagnol, d'abord sur les routes de l'exil au Portugal, et qui ensuite, ayant traversé au fond beaucoup d'épreuves, se sont retrouvés dans la communauté juive d'Amsterdam. Voilà, si vous voulez, sa famille, son père était un négociant, sa formation eh bien spinoza a été formé comme tous les petits enfants juifs euh, au talmud torah ensuite devenu négociant il n'est pas devenu rabbin comme vous euh, il a quand même suivi une académie rabbinique euh, mais surtout, son parcours personnel est inséparable de, de l'histoire des Maranes, vous savez. Et l'histoire des Maranes, ce n'est pas simplement euh, le conflit des conversions, tout, tout le monde en est parvenu, mais c'est aussi la rencontre avec un autre monde que celui euh, d'une communauté euh, du judaïsme, mais surtout, si vous voulez, euh, au fond, l'enjeu le, 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 en quelque sorte de la sécularisation. Toutes les confessions euh, au XVIIe siècle, ont été affrontés à ce, à ce problème, qui sont ceux des commandés modernes. Vous savez, qu'est-ce que nous devons faire avec la tradition religieuse Que faut-il euh, écarter et que faut-il garder Et euh, Spinoza, de ce point de vue-là, euh, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas simplement un Il est le premier juif laïque. On croit quelquefois que le, les juifs laïques n'apparaissent, les juifs modernes, qu'avec la Haskalah, qu'avec le mouvement des lumières. Non, n'est-ce pas Il y a euh, dans le judaïsme comme dans le catholicisme et le protestantisme de l'époque, il y a au fond ce problème de la, de la, de la sécularisation, c'est-à-dire de la redéfinition des rapports du religieux et du politique, du religieux et de la société. Et alors, ajoutons qu'évidemment, dans sa formation, euh, Spinoza, qui euh, si vous voulez, rentrer en conflit avec ses professeurs, qui étaient des rabbins qui pourtant euh, avaient fait fondre beaucoup d'espoir sur lui, euh, a été, comme vous le savez, excommunié. Et donc, euh, et, 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 au fond, s'est installé auprès des, des penseurs hollandais de son époque. Et là, euh, il a rencontré la pensée de Descartes, la pensée de Bacon, la pensée de Hobbes, d'abord auprès d'un catholique, et ensuite, eh bien son cercle est devenu celui de jeunes protestants libéraux. Qui eux aussi, si vous voulez, étaient un peu en dissidence avec les autorités religieuses du protestantisme le plus fondamentaliste en Hollande, les, les Gomaristes. Et, euh, eh bien, il s'est posé les problèmes qu'on se posait à ce moment-là et qui étaient le premier, c'était celui de reconstruire la philosophie euh, sous l en, au fond sous l'événement, face à l'événement de la naissance de la science moderne, qui avait périmé la vieille philosophie des anciens, en particulier la philosophie d'Aristote, et aussi, il s'est posé tous les problèmes du courant républicain moderne, qui était tellement actif dans, la, dans, dans les provinces unies. Et euh, Spinoza est avec Descartes, disons, le plus grand penseur de l'âge classique, et surtout, le premier penseur moderne de la démocratie. Alors avant effectivement de, de rentrer dans ce, dans ce domaine-là, est-ce euh, qu'on peut prendre quelques instants pour réfléchir et remettre encore peut-être dans le contexte ce que nous appelons en hébreu le fameux Jerem, euh, qui euh, effectivement interpelle très souvent euh, sur la sévérité euh, de, euh, de l'excommunication de, de Spinoza. Sur quel point exactement Ça veut dire, vous l'avez précisé, il a une formation d'enfant juif communautaire, c'est-à-dire il a grandi sur les bancs d'une synagogue euh, avec une tradition juive, biblique, euh, classique et traditionnelle. Euh, on a d'ailleurs retrouvé les, les traces de son certificat de bar mitzvah. Euh, donc il a tout de même une éducation euh, juive impliquée. Qu'est-ce qui amène sa lecture euh, critique qui pousse euh, les rabbins de la communauté de l'époque euh, à le faire sortir, justement, de la, de la communauté. Sa lecture critique, elle n'est pas originale, elle est celle de, toute, de tout le XVIIe siècle, qui lit dans des confessions séparées les uns la Bible, les autres les évangiles, et, et qui analyse et, et étudie les textes sacrés à travers la philologie humaniste de la Renaissance, c'est-à-dire qui désacralise les textes, qui les lise comme n'importe quel texte. Et donc là, Spinoza ne fait rien d'original. Alors, évidemment, au sein de la communauté juive d'Amsterdam, ce n'est pas simplement qu'il avait affaire à des gens qui étaient peu ouverts, parce que ce sont des grands personnages, comme ces grands professeurs, n'est-ce pas, Manasseh Ben-Israël, Lévi Mortera, étaient des rabbins de haute volée. Mais, euh, si je puis dire, ils avaient des circonstances exténuantes. Et les circonstances exténuantes, c'est qu'eux-mêmes étaient tenus par les autorités municipales de ne pas permettre. Euh, que euh, fond de dissidence trop aggravées, qu'on remette en question les, les idées les plus reçues, et euh, ils se méfiaient beaucoup parce qu'en en fait leur, leur installation dépendait de la bienveillance de ces autorités municipales. Euh, il ne faut pas oublier qu'en euh, Hollande le débat faisait rage euh, entre une version libérale, n'est-ce pas, de, du protestantisme soutenue d'ailleurs par les régents. Par la, et une version beaucoup plus fondamentaliste, soutenue par la Maison d'Orange. On n'a pas retrouvé l'inscription le, sur les registres de cette excommunication. Là. Elle était d'une certaine façon inévitable, parce que c'est le conflit, si vous voulez, du fondamentalisme et de la, et de la modernité. Alors, et qui a pris, qui a fait des étincelles à ce moment-là. Mais en retour, euh, puisque je vous dis, Spinoza étant le premier, au fond, juif moderne, eh bien, il reste en discussion, à travers les questions que vous avez évoquées, et on peut les, elles, elles se sont poursuivies dans, dans le judaïsme allemand, des canciens, n'est-ce pas, euh, Mendelssohn versus Herman Cohen, mais d'une manière plus générale, je crois que c'est, au fond, le personnage de Spinoza a cristallisé la discussion euh, de, de l'entrée dans la modernité euh, du, du judaïsme. Et il faut voir aussi, ce que le judaïsme aujourd'hui doit à Spinoza, parce que le mathématicien Cantor, le fondateur de la théorie des ensembles, Einstein, Albert Einstein, a dit tout ce qu'il doit à Spinoza, s'est rallié à la conception de Spinoza. Donc, là, ensuite, il faut voir ce que Spinoza a transmis, traduit, n'est-ce pas, de sa formation, de sa pensée dans la construction de sa philosophie. Parce que j'explique le sens de mon questionnement euh, sur la, 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 la justification de ce kherem, euh, puisque finalement, les questions dans le judaïsme... Euh, de manière générale, on n'en a pas peur. Euh, le Talmud regorge de questions et de questionnements, des fois qui, remettent, qui semblent remettre en cause, en tout cas chercher euh, à remettre en cause un verset ou une interprétation. Euh, je sais qu'il reproche souvent euh, à la lecture biblique traditionnelle, une sorte d'anthropomorphisme euh, où on voit un Dieu qui se manifeste sous des formes humaines euh, telles que la Bible présente, avec un doigt de Dieu, une main de Dieu, une colère divine. Euh, et donc il se pose la question mais comment est-ce que, si Dieu est le Dieu que l'on imagine, euh, comment est-ce qu'on peut le voir intervenir sur Terre comme un être humain. Ces questions-là, finalement, euh, moi en tant que rabbin, lorsque je lis ces questions, je me dis, ben, ce sont des questions que l'on trouve également chez nos propres maîtres euh, et qui, qui n'ont pas peur d'aborder ce genre de questions. Et vous avez raison parce que euh, la discussion que continue Spinoza, elle était déjà au cœur euh, de, de ceux qui ont préparé sa formation dans le judaïsme espagnol, c'est-à-dire du grand. La grande figure d'Asdaï Kreskas, le grand rabbin de Barcelone, qui déjà s'était affronté à Maïmonide, qui avait critiqué à Maïmonide, et en particulier la conception aristotélicienne de Maïmonide. Et euh, quand on regarde de près, on connaît aujourd'hui beaucoup mieux la pensée d'Asdaï Kreskas, puisqu'elle a été traduite en français, La lumière de l'éternel on s'aperçoit que la conception du, 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 du divin, n'est-ce pas de dieu qui est celle d'Aidas crescas c'est-à-dire un dieu infini un dieu euh, dont euh, finalement une, euh, efficient pro, producteur de toutes les forces de la vie et surtout qui est le lieu du monde qui réunit en lui toutes les essences singulières qui insiste sur l'importance de la joie de l'amour eh bien c'est exactement si vous voulez le dieu de spinoza d'ailleurs spinoza euh, le cite. il y a une discussion Évidemment, qui existait à l'intérieur du judaïsme, mais là qui s'est transporté en quelque sorte, fenêtre, fenêtre et porte ouverte, oui, sur Dieu. Et d'autant plus que la, grande, la remise en question de l'aristotélisme, c'est la remise en question de l'idée d'un cosmos fini, c'est la remise en cause d'un monde hiérarchisé selon des degrés de réalité c'est la remise en cause du finalisme, c'est-à-dire d'une conception qui calque la création divine sur les comportements humains, toutes choses que Spinoza remet en cause, mais euh, si vous voulez, qui était au cœur des discussions de, 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 de toutes les confessions au XVIIe siècle. Finalement, on arrive à, à peut-être re relativiser un petit peu euh, le sens de ce chérém euh, lorsqu'on le met dans son contexte, euh, dans les risques de la communauté qu'elle pouvait ressentir à cette époque vis-à-vis -vis, des, des, euh, des autorités locales, euh, de ne pas faire trop... Trop de, de vagues, pas trop de mouvements, d'essayer d'étouffer toute vision un peu euh, originale. Euh, et c'est vrai. Non, pas, pas nécessairement des visions originales, mais des visions qui pouvaient mettre en danger, n'est-ce pas, la survie de la communauté d'Amsterdam, parce que euh, elle pouvait sembler éloignée de, des idées reçues communément. Voilà. Pour comprendre l'origine de la philosophie de Spinoza, il faut regarder la géopolitique de l'Europe du XVIIe siècle. La famille Spinoza fait partie des maranes. Ces juifs espagnols ou portugais qu'en 1492, les rois catholiques contraignent à la conversion, au bûcher ou à l'exil. Les Spinoza viennent probablement de la région de Castille-et-Léon. Expulsés d'Espagne après le décret de l'Alhambra, ils s'installent au Portugal, mais l'Inquisition les rattrape. Le grand-père paternel de Baruch, Isaac, quitte alors le Portugal et rejoint son frère à Nantes. Mais n'y reste pas. Le judaïsme y est également interdit. La famille s'installe ensuite en Hollande et en 1632, Baruch Spinoza naît à Amsterdam, qui est alors le centre culturel et économique le plus important d'Europe. La maison familiale se situe au sein du quartier juif de la ville, jouxtant la synagogue et la maison de Rembrandt. Spinoza est un élève brillant. Il étudie la Bible et le Talmud en hébreu. Et s'ouvre aux sciences dites profanes par l'apprentissage du latin, des mathématiques et surtout des cartes qu'il admire. Il approfondit sa connaissance de la Torah, d'Orachi, d'Ibn Esra et de Maïmonide. À 20 ans, il remet déjà en cause aussi bien la tradition religieuse juive que la théologie chrétienne. Il commence à être perçu comme un hérétique au sein de sa communauté pour certaines de ses idées et opinions radicales. Il survivra même à une tentative d'assassinat au couteau sur les marches de la synagogue. On raconte qu'il portera toute sa vie son manteau troué afin de se souvenir que la passion peut parfois mener à la folie. En 1656, les hauts dignitaires le bannissent de la communauté. Et privé de contact avec sa famille, il s'éloigne alors de la capitale et prend le nom de Benedictus Spinoza. Il continue à pratiquer la philosophie et survit grâce à son métier de polisseur de verre. Il aura une influence considérable sur le siècle des Lumières qui allait suivre. De nombreux auteurs dont Freud ou Nietzsche l'admireront longtemps après sa mort. Spinoza meurt à La Haye en 1677, à l'âge de 44 ans, loin des siens, pauvre, mais fidèle à son idéal d'indépendance et de libre-parole. Souvent on parle de l'athéisme de Spinoza, mais effectivement, ses œuvres parlent de Dieu dans l'éthique dès le début. Enfin, la place de Dieu est bien présente. Alors, quelle est la définition de Spinoza de Dieu Alors, d'abord, vous avez tout à fait raison. Spinoza, pour Dieu dans l'éthique, est là, de la première partie à la dernière partie, il est là tout le temps et partout. Alors sa définition de Dieu, c'est que Dieu est cause de soi, qu'il est infini, qu'il est tout puissant, que surtout qu'il est existant. Ce dont l'essence enveloppe l'existence, c'est la force de vie, Dieu. Il est l'éternel, il a été, il est, il sera. C'est une définition d'une certaine façon extrêmement traditionnelle, la définition. C'est ça, vous me faites penser à la définition, par exemple, du Maharal de Prague, euh, qui définit Dieu comme étant la cause de toutes les causes. Elle est, sur ce plan-là, d'une totale orthodoxie. Mais alors, immédiatement, et de l'extérieur, Spinoza a été accusé d'athéisme, parce que sa conception n'était pas celle d'un Dieu anthropologique, elle n'était pas celle d'un Dieu finaliste. Alors je répondrai à ça, plusieurs choses. La première, c'est qu'il s'en est défendu avec la dernière énergie, un des correspondants de ses amis a écrit, bon, ben, lambert vorvel pour ne pas le nommer, a écrit dans la lettre, dans la correspondance 43, « C'est un athée ». Et, euh, et cette, cette idée a fait florès. Et bien Spinoza a tout de suite réagi en disant non, il a donné un argument sociologique, c'est qu'il ne vivait pas comme les athées libertins de son temps, il avait une vie très réglée, n'est-ce pas, de, de philosophes qui ne cherchaient ni les honneurs ni la richesse, mais surtout il a donné un argument en quelque sorte métaphysique, c'est qu'il considérait que Dieu était le souverain bien et que c'est cette recherche du souverain bien qui donnait à la fois la vertu et, et, enfin, le, et le bonheur. Donc, il a répudié tout à fait cette, concep cette conception. Et euh, évidemment, euh, aujourd'hui, on, on le suit pour la bonne raison que, évidemment, en, en s'appuyant sur une formule qui se trouve en incise, mais qui est souvent très mal comprise dans la, la préface du livre IV, Deus Sive Natura, Dieu ou la nature, on oublie que la conception que Spinoza se fait de la nature euh, eh bien, repose sur une division entre la création, la nature naturante, et la nature naturée, c'est-à-dire la, la nature telle qu'elle nous apparaît, des créatures, la création et les créatures. Mais évidemment, euh, l'idée de Spinoza, c'est que euh, Dieu n'a pas, qui a créé le monde, ne l'a pas créé. Selon, un, si vous voulez, une production humaine, comme une production humaine, c'est-à-dire quand on regarde comment les, font la conduite humaine, la production humaine, eh bien, les hommes se donnent des fins, et quand ces fins sont accomplies, réalisées, ils prétendent que leur production, leur création est parfaite. Et par contre, euh, si elle n'est pas réalisée complètement, ils, ils estiment qu'elle euh, est imparfaite et donc mauvaise. Autrement dit, dans la, la conception finaliste, pas, qui, qui a régné longtemps, de la création et en particulier de l'aristotélisme, on estime que la réalité est degré selon une hiérarchie de perfection alors que selon spinoza, eh bien, non, les réalités sont, et c'est tout, et le bien et le mal n'existent pas dans la nature, ce, ce sont des êtres de raison, des êtres d'évaluation, ce ne sont pas des êtres de réalité. tandis que euh, ce qui existe pour les humains, c'est le bon et le mauvais pour nous. autrement dit, pour spinoza, une idée anthropologique de la divinité est une idée euh, inexacte. Et alors là, évidemment. La dimension qui est toujours mise entre parenthèses quand on, on, on adhère à l'idée d'un athéisme de Spinoza, c'est la dimension de l'infini. Selon Spinoza, Dieu est infini, et il estime que c'est la caractéristique fondamentale, cette infinité du divin, parce que lorsqu'il a créé la nature, la nature, eh bien, Dieu a créé, il a, il a créé une infinité d'attributs dont nous, nous ne connaissons que deux attributs essentiellement. C'est-à-dire l'esprit et le corps, et que, euh, au fond, c'est ça qui qualifie la nature, ses attributs parallèles, enfin, qui s'articulent, mais toujours à l'infini. Il n'y a pas, chez Spinoza, de réduction ni à l'idéalisme ni au matérialisme. Il n'y a pas d'éminence, il n'y a pas de hiérarchie de l'âme sur le corps. Dans ce schéma proposé par Spinoza, euh, donc on comprend finalement que Dieu est l'endroit du monde. Un des le termes. lieu du monde. Le lieu du monde, d'ailleurs, le terme employé par la tradition rabbinique également, Et le makom. Euh, le makom n'imagine pas que le monde est l'endroit de Dieu, mais c'est Dieu qui est l'endroit du monde. Euh, là encore, une lecture très, très classique. Euh, mais, mais du coup, euh, à travers la nature, donc, il y a Dieu. Où est-ce que se positionne l'être humain est-ce qu'il est au même niveau Donc j'ai compris qu'il n'y avait pas de supériorité de la race humaine au-dessus de la nature. Mais alors où est-ce que l'humain se situe dans... Eh bien c'est très simple. Après Dieu qui est la seule substance qui est cause de tout, il n'y a pas d'autre substance infinie et, et ses attributs, n'est-ce pas l'esprit et le corps Il y a les modes finis n'est-ce pas Les modes finis de, de la substance et donc les essences singulières, comme dit Spinoza. Il n'y a que deux réalités en vérité Dieu et les essences singulières. Et les humains sont des essences singulières, dont dans le court traité, un des textes, si vous voulez, qui est une ébauche de sa pensée qu'il se développera dans l'éthique, puis nous a dit que Dieu est le protecteur des modes finis, et en retour d'ailleurs que les modes finis ont quelque chose à faire dans l'accomplissement de la création. Comment vous dire, c'est une offense, d'une certaine façon, <laughs> faite à l'avenue la, à principale de la via ce ne sont, Au fond, ce n'est pas un sujet... Maître de lui comme de l'univers, le mode fini. Il ne peut pas être maître et possesseur de la nature puisqu'il est en Dieu. Il est déterminé par Dieu. Et là où nous avons toute la critique que Spinoza fait du cartésianisme, c'est-à-dire d'une reconstruction de la philosophie et d'une pensée de l'homme qui n'est pas du tout la sienne, puisque pour Spinoza, au fond, les modes finis justement ne sont pas séparés des autres modes finis. L'homme n'est pas exilé de la nature. Parce qu'il n'est pas exilé de la nature, parce qu'il est toujours en Dieu. Il ne peut pas la dominer. Et d'ailleurs. Spinoza a des, a, a des propos qui paraissent aujourd'hui d'une beaucoup plus grande actualité que les, les propos de la, de la philosophie cartésienne, lorsqu'il explique que les animaux, qu'il s'agisse des poissons, des insectes, si vous voulez, des chevaux, eux aussi, pas, sont constitués par un arrangement de l'âme et du corps. Il ne dit pas que les animaux sont des animaux machines, selon la barbare théorie de, de Descartes. Non, les animaux, eux aussi. La, ce n'est pas de la même façon, l'organisation n'est pas tout à fait la même. Visiblement, Spinoza explique que notre âme est d'autant plus complexe vis-à-vis de, -vis de celle des animaux que notre corps est plus complexe. Vous voyez, Il n'est pas du temps de l'évolution, de la théorie de l'évolution, mais déjà, il explique euh, cela. Autrement dit, pour lui, il y a, je vais le traduire dans notre langage d'aujourd'hui, il y a de l'esprit du corps, c'est-à-dire du code et de la matière partout. Et il va très loin dans cette conception, puisque pour lui, même dans les minéraux, pas, il y a du code, mais nous le savons aujourd'hui qu'il y a du code dans les minéraux. Tout en euh, insistant sur le, le caractère d'inscription euh, de chacun de ces modes finis dans la nature, de sorte qu'ils sont déterminés par la nature et qu'ils euh, ne, ne sont pas libres, vous voyez, ils n'ont pas une liberté métaphysique totale, eh bien, néanmoins, il estime qu'il y a une connaissance de l'individuel que de même qu'on fait une science de la nature on peut faire une science des individus parce qu'il y a une éternité de l'âme n'est ce pas en dieu mais aussi ce que personne n'avait dit avant lui, il y a une éternité des individus. Et moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que je me suis intéressée aux sciences humaines. Si vous voulez, ce qui fait que les sciences humaines ont cherché des traces individuelles, par exemple Lucie, vous savez, son squelette, ou les, les mammouths dans les tourbières, ou encore les botanistes. Spinoza est de, du temps de la naissance de la botanique. Les botanistes qui font des collections d'herbiers, il y a, tout euh, d'un un côté, Spinoza dévalue apparemment les modes finis, mais de l'autre côté, euh, il, il, leur, il, leur, il leur donne une dignité que, qui n'existait pas. Alors si vous parlez, euh, d'après bien sûr la lecture de Spinoza, d'un Dieu protecteur, oui. euh, et du coup que les êtres créés par ce Dieu euh, ont peut-être même des devoirs, à l'égard de ce Dieu. Est-ce qu'il y a tout de même une place pour le libre arbitre tel que la vision rabbinique le présente, c'est-à-dire qu'il y a un homme, même s'il n'est pas la finalité, ou en tout cas il est celui qui joue son rôle dans l'ensemble de la, de la création, il y a cette, cette place au libre arbitre, c'est-à-dire qu'il y a une, une possibilité de se définir comme faisant partie du projet ou en se mettant à l'extérieur du projet. Euh, quelle est la lecture de Spinoza sur cette place du libre-arbitre, finalement, euh, par rapport à cela Je dirais que c'est la plus grande place, parce que l'éthique, qui est sa grande œuvre, euh, est tout entière centrée, Et vous voyez le titre, n'est-ce pas sur une, cette réflexion sur la liberté humaine, mais elle est conçue comme libération. Et alors, comment Vous savez que Descartes, qui est le premier auteur moderne auquel Spinoza a consacré toute son attention, le seul livre qu'il a publié sous, ce, sous son nom, c'est les principes de la philosophie de Descartes, lui, Descartes décrète, parce que l'homme est sorti de la nature, la liberté métaphysique, la liberté de l'homme. Par sa volonté infinie, l'homme est, est absolument libre spinoza s'insurge contre cette idée puisque l'homme est d'abord déterminé n'est-ce pas il est d'abord déterminé à l'infini par l'ensemble de l'enchaînement des, des lois naturelles qui sont des lois divines et il est donc dans la détermination mais comment Peut-on sortir de cette détermination qui peut prendre l'aspect d'un fatalisme, n'est-ce pas, d'une prédestination absolue euh, C'est une représentation qui existe dans d'autres pensées. Eh bien, euh, Spinoza répond aller vers la liberté. Et on doit aller vers la liberté, c'est fondamental. Euh, il faut d'abord, évidemment, connaître, comprendre nos déterminations. Et, euh, ce n'est pas la peine de se dire que nous sommes libres parce que ça, c'est un orgueil qui nous mènera à nulle part. Il faut connaître les déterminations et savoir que nous sommes déterminés. Mais à partir du moment où nous connaissons et nous comprenons nos déterminations, et en particulier où le solde positif de, de l'énergie vitale, de l'énergie qui nous vient de Dieu, notre cognatis et nos, nos affects dont le plus grand est quand même la, le désir de connaître, l'affect de connaître, assis sur la joie, n'est-ce pas, sur l'augmentation de la puissance d'agir eh bien, on est en voie vers la libération. Et au-delà même des affects, des énergies, l'activité le, le, de l'esprit, parce qu'une connaissance adéquate, dit Spinoza, nécessite une activité de l'entendement. Si quand vous construisez, par exemple, une démonstration mathématique ou, ou la figure du triangle, c'est une activité. Quand vous faites preuve de cette activité, eh bien, vous pouvez dépasser, vous pouvez avoir un solde positif entre vos déterminations, les déterminations extérieures qui pèsent sur vous, et... Les, dé les déterminations intérieures qui peuvent à un moment donné prévaloir. Et pour lui, le plus grand but de la libération, c'est de passer au fond des, dans l'ordre des connaissances, de, de la, des connaissances mutilées, et confuses du, du premier genre, qui sont uniquement sensibles, émotives, imaginaires ou mémorielles, aux connaissances euh, raisonnées du second genre. Et euh, le but de cette connaissance rationnelle, eh bien, c'est fond de se porter vers justement euh, la connaissance de Dieu, n'est-ce pas Et que c'est cette connaissance de Dieu, cette connaissance qu'il appelle du troisième genre, dont il parle profondément dans le, le dernier livre de l'éthique, qui nous donne la, la vertu et la béatitude en même temps. Voilà le donc, bonheur. Donc finalement, il met en place une philosophie comportement de vie euh, dont, dont les affects ne sont pas le moteur. Et les désirs, où nous devons plutôt euh, avoir une raison qui, euh, qui oriente tout cela Est-ce que, euh, vous savez, en hébreu, le désir se dit ratson. Euh, ratson, du mot ratz, euh, courir, euh, ce qui fait courir euh, l'être humain. Euh, Qu'est-ce qui doit nous faire courir Est-ce que ce sont nos désirs Ou bien une volonté raisonnée euh, qui amène quelque chose de plus grandiose euh, dans euh, le système humain il n'y a pas chez, chez Spinoza une réduction de tous les désirs aux passions, comme on disait au XVIIe siècle. Pour lui, le désir est l'essence de l'homme, mais pour lui, il y a deux sortes d'affects. Je reprends son vocabulaire pour être plus précise. Le, euh, il y a des affects passifs, qui sont les passions, c'est-à-dire ceux, dit-il, qui sont liés à toutes les formes des, de, enfin, de passions tristes, et en particulier la haine, euh, et qui abaissent notre énergie, notre puissance d'agir. Et il y a les désirs au contraire, actifs, qui, notre, qui sont liés à la joie, à l'amour, et qui augmentent notre puissance d'agir. Et par conséquent, au sein de ces affects actifs, eh bien, la raison, la raison n'est pas l'opposé de ces affects actifs. Elle émerge en quelque sorte au sein de ces affects actifs, parce que le plus grand affect des humains est de connaître et de connaître Dieu. C'est pourquoi vous voyez Spinoza n'établit euh, pas une opposition absolue entre le, le désir et la raison. Il pense qu'il n'y a pas, si vous voulez d'idées de dressage, n'est-ce pas des passions par la, par la raison? Mais au contraire, une compréhension, n'est-ce pas de, de l'énergie euh, humaine, et une canalisation de cette énergie euh, vers quelque chose qui nous, euh, qui nous grandit et pas vers quelque chose qui nous rapetisse. Alors est-ce qu'on a là ici peut-être un emploi de tous nos sens? Oui. De ne pas les étouffer, oui. mais au contraire de les ressentir et de les mettre au service de tout ce programme porté par le divin. Parfaitement, exactement. Il y a l'idée qu'on doit jouer sur un clavier extrêmement étendu, n'est-ce pas, de, 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 de toutes nos perceptions, de tout ce qui nous a été donné, de tout ce qui nous vient justement de Dieu pour nous, nous développer. Et même, vous voyez, il y a l'idée euh, que l'homme a une action dans la création, nest qu'il qu peut agir dans cette création. Et agissant dans cette création, et eh bien à un moment donné il à un moment donné, c'est une, une, une conception mystique, disons-le, il rejoint quelque chose de, euh, de, du divin. Alors comment Eh bien, pour Spinoza, quand on, on, enfin, on va très loin dans la réflexion raisonnable, raisonnée, et d'ailleurs plus, dit-il, plus on connaît de choses singulières, plus on a de connaissances, et plus on s'approche de Dieu, et il vient un moment où l'entendement humain est branché sur l'entendement divin. Et toujours, parce qu'en fait, notre entendement n'est rien d'autre qu'un aspect de l'entendement divin. Alors, je vais vous dire pourquoi ça me semble extraordinaire et actuel, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a du code, nous savons qu'il y a du code, le tableau de Mendeleïev, qu'il y a du code dans les minéraux, nous savons qu'il y a du code dans la, dans la biologie, mais nous savons aussi qu'il y a du code dans les individus, parce que, regardez, le, le, au fond, quand on recherche un ADN, bon. et... Ce code, il est branché sur quelque chose n'est-ce pas, qui existe dans l'univers. Voilà l'idée voilà de, de Spinoza en Dieu, et qui vient d'une force cosmique qui a été, qui est, qui sera. Et donc, il y a cette idée que la raison est branchée sur l'entendement divin. Mais de la même façon, notre corps, qui est une, enfin, tout ce qui est, qui est corps, c'est-à-dire mouvement, il le, le représente dans la science de son époque. C'est-à-dire mouvement et repos tout à la fois, n'est-ce pas Rapport du mouvement et du repos, tout ce qui est corps est branché sur l'étendue qui est dans le, dans le, dans le monde et qui vient, de, qui vient également de Dieu. Il y a d'ailleurs, pour lui, il n'y a pas simplement deux dimensions dans le monde. Nous, nous en connaissons deux. Mais il y en a certainement plus que cela. La vie de Spinoza est une vie difficile. Il est très vite confronté aux problèmes financiers de son père avec son négoce. Il va être obligé de travailler, de prendre tout de suite la place de son père assez rapidement. Euh, il va être donc excommunié, donc là encore une nouvelle épreuve. Euh, il va perdre énormément de membres de sa famille à travers des tragédies assez importantes. Comment est-ce que ce même Spinoza euh, qui nous demande euh, à ne pas, de ne pas tomber dans une sorte de passion négative, euh, d'affect négatif euh, qui pourrait nous détruire. Euh, comment est-ce qu'il va arriver à se relever malgré tout euh, lorsqu'on est euh, rejeté de sa propre communauté, euh, lorsqu'on a autant d'épreuves à surmonter euh, Comment garder finalement cette, cette espérance euh, et de s'attacher à des affects positifs mais moi, je n'aurais pas cette vision romantique de sa vie. Pourquoi D'abord parce que le peuple juif, à l'époque de Spinoza, a traversé des épreuves terribles. Alors, comme individu, elles ne l'ont pas épargné non plus, puisqu'il n'a pas été élevé par sa mère, qui est morte quand il était enfant. Il a ensuite vécu des épreuves comme jeune homme que vous venez de rappeler. Et quand il a commencé de publier sa philosophie, il a été exposé à l'incompréhension et à la persécution, donc. En même temps, je vous dirais, puisque si on, on prend un point de vue extérieur, pour l'instant nous prenons un point de vue extérieur, en même temps Spinoza a très vite été reconnu comme un penseur de premier ordre, d'ailleurs de, de, dans, dans la grande puissance qu'était la Hollande du XVIIe siècle, même s'il a vécu à la fin de la République des Provinces-Unis, à la fin du siècle d'or. Et la preuve, c'est que... Euh, les grandes de ce monde euh, se sont intéressés à lui. D'abord, le régent des provinces de, de, de Hollande, euh, le grand Jean de Witt. Ensuite, au moment de la guerre de Hollande, Louis XIV lui a fait proposer une pension. Les L'électeur palatin euh, voulait lui offrir une chaire. Le premier secrétaire de la Royal Society, qui venait juste de se créer, Henri Ondenburg, est tout de suite venu son correspondant. Et enfin, le jeune Leibniz, qui voulait rencontrer tout ce qui comptait, est allé frapper à sa porte. Donc Spinoza a été reconnu tout de suite comme une. Étoile de première grandeur de ce qu'on commençait qu déjà à appeler la République des Lettres. Donc il ne faudrait pas exagérer, on l'a souvent présenté comme un exclu. Comme un... Et puis ensuite, il est vrai que, euh, certainement, d'ailleurs, c'est ce que euh, pense Jonathan Israel, qui est un, de, un des grands historiens de, des Provinces-Unies, que les difficultés du négoce de sa famille ont peut-être expliqué une partie, de, au fond, de ses, de, de ses positions. Mais euh, il est vrai aussi que, Spinoza, quand il a adopté, n'est-ce pas, euh, qu'il a pris la décision de se consacrer à la recherche philosophique, parce que c'est ça qu'il a fait. Eh bien, n'a pas du tout vécu une, une pure vie d'ermite. Il a été euh, appuyé, secondé par tout un cercle de jeunes gens de la euh, très bonne bourgeoisie, des grands négociants, il y des grands euh, marchands du commerce d'Amsterdam qui l'ont aidé une, une vie entière. Alors, il a adopté un style de vie très frugal, ça c'est vrai. Mais Simon de Vries, qui voulait lui donner une, une pension généreuse, euh, il n'a pas voulu. Il voulait, si voulez, il a vécu très sobrement et frugalement. Mais euh, ceci, euh, alors ce qui est tout à fait remarquable, mais il ne l'a pas vécu comme un manque, mmh. comme euh, une gêne, euh, comme une misère, pas du tout. Il a estimé que cette voie philosophique qu'il a adoptée lui a, lui a, lui a ouvert le, le bonheur. À ce moment-là, toutes les vies, si vous les consacrez à, à la recherche… Qui sont des vies qui ne sont pas celles de comment, du, du spectacle ou de la cour ou, de, ou du pouvoir ou de l'acquisition la, de des richesses pour, peuvent paraître euh, des vies misérables mais non n'est-ce pas mais non si vous voulez les, les, les grands savants bon, voyez celui qui a peut-être un de ceux qui a le mieux compris Spinoza et qui a toujours avoué son allégeance et sa, sa communion d'esprit avec Spinoza c'est Albert Einstein Albert Einstein aussi a traversé des grandes épreuves et euh, il n'est pas devenu Henry Ford ou, si vous voulez, ou du de Nemours. Mais, mais il a eu une belle vie. Eh ben, je dirais que Spinoza aussi a eu une belle vie. Vous avez employé vous-même le, le terme de bonheur, la recherche du bonheur. Est-ce que euh, dans la philosophie de Spinoza, il y a une, une définition peut-être particulière euh, sur le fait de ne pas se contenter pour la source de nos joies, comme nous souvent dans notre existence, euh, d'événements éphémères euh, qui passent, parce que sinon finalement on n'atteint on jamais ce bonheur euh, Comment est-ce que Spinoza, lui, définit cette, cette recherche euh, de, euh, de la source de bonheur que l'on... Et pour Spinoza, le bonheur, si vous voulez, est la même chose que la recherche de, de ce qui nous est utile, de ce qui est bon pour nous. Euh, la, la vertu et la recherche de l'utilité, euh, c'est la même chose, parce qu'il est bon pour nous. Qu'est-ce qui est bon pour nous Dit-il. C'est -ce bon pour, dit pour ça qu'on peut parler d'une morale un peu vermérienne de Spinoza. D'abord, ce c'est la cité républicaine, c'est la vie avec les autres hommes. Ça, c'est bon pour nous. La parure, la gymnastique, euh, la vie de relation, la musique, les arts, c'est très bon pour nous. Et Spinoza, c'est pour ça que le présenter comme quelqu'un marqué par un idéal ascétique, ça serait une erreur, n'est-ce pas Puisque lui, il estime que la vie dans la cité est une bonne chose, une cité républicaine et démocratique. C'est seulement d'ailleurs dans une cité républicaine et démocratique qu'on peut atteindre euh, au bonheur. Par parenthèse, une cité républicaine et démocratique qui tire les leçons bonne de la République des Hébreux. Mais alors deuxièmement, ça ne suffit pas parce que euh, il y a plus grand encore que la vie dans la cité républicaine ou la, qui permet d'ailleurs la, la 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 le développement des sciences, il y a euh, la recherche du souverain bien, comme il dit du souverain bonheur, c'est-à-dire au fond la connaissance de Dieu. Il y a une euh, tradition rabbinique qui nous explique que la définition du bonheur passe effectivement par notre regard, euh, c'est-à-dire d'être capable de porter un regard différent sur les éléments de la nature qui nous entoure, de ne pas se contenter d'analyser les choses telles qu'elles se présentent, mais d'essayer d'avoir un regard plus perçant euh, pour essayer de toucher quelque chose de plus juste, de plus éternel, de plus profond. Euh, Est-ce que Spinoza serait euh, en adéquation avec un regard que l'on porte euh, sur ce qui nous entoure et qui permettrait d'analyser les choses euh, avec plus de profondeur est-ce qu'il s'inscrirait aussi dans cette recherche du bonheur Il n'y a, a pas une thématique du regard chez Spinoza, mais, mais là, ce que vous dites me, me fait associer librement. Quand j'essayais de faire comprendre à mes étudiants ce qu'était la morale de Spinoza, je euh, choisissais toujours des illustrations empruntées à la peinture de Vermeer. Or, Vermeer, n'est-ce pas C'est un regard. Au fond, l'idée de la lumière naturelle, c'est la lumière divine, n'est-ce pas Et qui on met tous les modes, un pichet, des carreaux noirs et blancs, des humains sur le même plan. Ce pas dans une vision géométrique du monde, mais scientifique du monde, et qui éclaire le monde. Alors ça, c'est proche de Spinoza. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, de mise en majesté du regard chez Spinoza. Spinoza et Vermeer n'étaient distants à un moment donné que de six km et certains ont imaginé qu'ils aient pu se rencontrer, on n'en a pas de preuves. Et même que l'un des correspondants de Spinoza est peut-être Vermeer, qui s'appelle Van Der Meer. Chez Spinoza, il y a plutôt l'idée d'une construction euh, active, est les plus mathématiciens, disons Spinoza. Est-ce que, malgré son chérem, euh, le fait d'être chassé de la communauté, euh, quelle est sa, sa réaction par rapport à, 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 au lien avec son, ju son propre judaïsme euh, J'ai pu lire que, par exemple, il avait un jour refusé d'abandonner le judaïsme, de se convertir pour pouvoir euh, par exemple se marier avec euh, la fille de son euh, de avec son maître Lara, euh, ouais. exactement. Ouais. Donc c'est tout de même surprenant, il aurait pu peut-être euh, tout, euh, bah, voilà, tout plaquer, tout laisser, euh, tout abandonner, tourner le dos à son judaïsme, à son identité juive, euh, et pourtant on voit que non, il est chassé de la communauté, mais il refuse par exemple de se convertir. Comment est-ce qu'il euh, arrive à trouver aussi cette, euh, cet équilibre Vous avez tout à fait raison, Spinoza ne s'est jamais converti, et même dans sa correspondance avec Oldenburg, euh, qui le presse en quelque sorte d'avouer qu'il s'aligne sur les positions de, chrétiennes, alors qu'il a mis en place majesté comme fond, la sagesse, l'entendement infini et éternel de Dieu, la personne de Jésus, il refuse absolument, comme il le dit, n'est-ce pas, Jésus selon la chair. Pour lui, est un, Jésus est un grand un, un homme juif, n'est-ce pas, d'une sagesse immense euh, qu'il met à côté des patriarches parce qu'il a refusé de juger, ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé, et surtout euh, parce que, si vous voulez, il a au fond mis en majesté la vie, la vérité et la vie. Mais Spinoza non seulement ne s'est jamais converti au christianisme alors que c'était parfaitement possible pour lui euh, à son époque, que euh, ça lui aurait peut-être ouvert un certain nombre de portes, en particulier des portes politiques qui lui ont été euh, définitivement fermées, mais plus encore, eh bien, euh, il est remarquable que le dernier livre qu'il ait écrit, c'est l'abrégé de Grammaire hébraïque. Et euh, alors voilà moi moi si vous voulez, si vous me demandez ma, ma conviction moi je reste persuadé pour ma part que Spinoza est resté absolument fidèle au judaïsme comme homme vous voyez, comme homme euh, et que c'est une chose qui nourrit profondément sa philosophie mais en revanche comme il est un homme moderne un philosophe moderne comme philosophe il a estimé c'est pour ça qu'il est un des grands défenseurs de la liberté de conscience que ce qu'il demandait pour lui c'est à dire qu'on lui on le laisse n'est-ce pas? Penser ce qu'il pensait, eh bien, on le laisse aux hommes de toutes les autres confessions. Pour lui, d'ailleurs, ce qui est fondamental, c'est que les leçons, les grandes leçons qu'il tire de sa lecture des Écritures, eh bien, ce sont toujours les mêmes c'est la recherche de la charité et de la justice, et qui est résumée par, une phrase, euh, par la phrase du rabbin Hillel Aime ton prochain pas comme toi-même, qui est évidemment commune à Hillel et à Jésus, mais que ça, ce sont des valeurs universelles qui ont été transmises. Si vous voulez par la voie de la de textes sacralisés et de la, de l'obéissance, mais que par un calcul de raison, on retrouvera exactement de la même façon, et qui doivent être les fondements de la politique moderne. Est-ce que l'on peut prendre quelques instants pour partager oui. euh, la critique faite par Lévinas euh, oui. sur la philosophie de, de Spinoza, au moins sur un point. Il lui reproche d'être à l'origine, mais on se comprend lorsque j'utilise ce mot, d'un antisémitisme moderne euh, lorsqu'il définit, par exemple. Euh, qu'il n'y a plus de notion d'élection euh, du peuple d'Israël, mais ça c'est un autre point, mais que l'hébreu se définit comme étant un peuple qui se sent supérieur aux autres, qui ne veut pas s'intégrer aux autres nations. Euh, Est-ce que l'on peut euh, comprendre la, la lecture faite par Lévinas sur, euh, sur Spinoza, cette critique qui lui fait euh, d'être peut-être à l'origine d'un nouveau vocabulaire antisémite Écoutez, révérence faite à un grand maître, parce que Manuel Lévinas est un grand philosophe. Euh, je, je, je ne pense pas qu'on puisse partager sa lecture de Spinoza. Et je vous réponds sur les points que vous avez évoqués. Premièrement, l'élection. Incontestablement, Spinoza critique les cérémonies religieuses euh, applique à, à, au texte biblique euh, les, les pratiques, n'est-ce pas, nées à la Renaissance par la, de la philologie humaniste c'est-à-dire montre que c'est un texte qui a plusieurs strates. Et qui donc il a plusieurs auteurs, probablement que Moïse peut pas avoir été l'auteur du Pentateuque mais qu'il y a plusieurs auteurs. Bon, ça, tout le monde le disait déjà avant lui, n'est-ce pas Mais lui le, le dit. Mais en revanche, en ce qui concerne l'élection, Spinoza défend l'élection du peuple juif. Et je vais vous dire sur quoi. Il la resserre, cette élection, mais il la défend. Et euh, en quoi la défend-il Eh bien, Spinoza dit, euh, explique que le peuple juif a été élu en raison de sa philosophie politique le droit politique des hébreux la république des hébreux est très supérieur aux cités antiques pour les raisons que je viens d'aligner là très rapidement c'est-à-dire que la politique y est fondée sur l'alliance sur, sur la, et, et donc sur la loi et non pas sur la guerre. Dans le modèle de la République des Hébreux, vous avez d'abord une association démocratique, puisque finalement les Hébreux se retrouvent à, après le pacte à égalité. Vous avez ensuite une séparation des pouvoirs, puisqu'il dit qu'on confiait la lecture de la loi aux prophètes et euh, aux chefs de tribu, l'exécutif en quelque sorte, et euh, qu'enfin il y avait même du fédéralisme, qu'il rapproche, n'est-ce pas, du fédéralisme des Provinces-Unies. Spinoza est pour l'élection, et il la défend, il défend l'élection, mais il estime que ce n'est pas, par leur savoir, parce que, les, au fond, les, le peuple juif de l'époque était un peuple, dit-il, aux, aux mœurs assez rudes, n'est-ce pas, et sortait du désert, enfin, il n'était pas un grand peuple civilisé, euh, que ce n'est pas individuellement, que les, comme euh, on préfère un fils à deux, non, c'est pas, pas ça, mais qu'il y a une élection, et que cette élection, elle est politique, elle est théologico – Et euh, Mme qui est là, Très grand et très bon philosophe a été, si vous voulez, tout à fait formé euh, à l'intérieur de la phénoménologie euh, et influencé par un grand philosophe, mais euh, qui est très loin, n'est-ce pas, du spinozisme et qui est Heidegger. Euh, et euh, je crois que c'est pour des raisons philosophiques, au moins autant que pour des raisons, euh, du, si vous voulez, empruntées euh, à son judaïne, que, que, que Emmanuel Levinas était éloigné de Spinoza. Parce que je vous dis, c'est pour ça que j'ai évoqué la figure de Ben Gurion. Vous savez que Ben Gurion, lui, au contraire, Ben Gurion, Albert Einstein, on peut évoquer de grandes figures, au moins de la stature de celle de Levinas, qui, qui ne partageaient pas son point de vue. Donc, c'est une discussion qui est très très légitime, mais qui ne résume pas toutes les positions, n'est-ce pas, de la communauté juive à l'égard de, de Spinoza jusqu'à une volonté d'ailleurs de Ben-Gurion d'essayer de lever le chérème de, de, de Spinoza pour voir s'il était toujours d'actualité. En tout cas, Blandine Crigel, merci beaucoup de nous avoir permis de, de comprendre, de cerner un peu mieux cette personnalité grandiose de Spinoza, de ne pas simplement le résumer à son chérème, mais d'essayer de comprendre en, en profondeur ce qu'il pouvait être et ce qu'il porte encore jusqu'à jusqu aujourd'hui comme, comme idée forte tout de même. Et merci donc pour ce livre Spinoza, L'autre voie. Merci à vous tous et à très bientôt.